Salut à tous, c'est Xus Carter, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre gameplay sur Lego Pirates des Caraïbes. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'histoire 1, épisode 1, en jeu libre. Donc pour arriver à la fin au 100%. Est-ce que j'avais déjà eu ici? Non. Il va falloir ici qu'on démolisse tout. Si tant est qu'il y a quelque chose à démolir. D'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre à faire? Ici pour l'instant rien, donc on va prendre la carotte. On n'était absolument pas obligé de servir d'espèce d'âne. Ici on a tac tac tac, on a la prison. Là, normalement on a un chien à trouver. Ça, on en a pas besoin puisqu'on en a déjà un qui peut se promener dans les conduits, qui est donc lui. Au moins il sert à quelque chose, c'est déjà ça. Sur 4. Ensuite envoyer lui 1 sur 7. Ça on le prend et on va le poser directement là-dessus. Deuxième squelette. Ok,
3. Attends, focus pour la quatrième. Tac. Et le quatrième. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est Jack. Voilà. Et trouver les trésors. Ouais, je sais pas pourquoi vraiment à quoi ça va nous servir ça. Toujours est-il que attendre, est-ce qu'il y a encore celui-là? Ah, celui-là j'ai déjà fait. Celui-là ils sont faits. Merde, y'en a un que j'ai loupé. Celui-là c'est fait, celui-là c'est fait. Là aussi, et voilà. Donc celui-là on l'avait déjà eu dans la partie précédente, enfin au départ du coup on n'a pas besoin de le... il nous le redonne pas. Ensuite il nous faut un truc qui creuse le toutou. Donc on met un levier ici. Tous les trucs. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 6 comme ça et 4 de l'autre. Regarde, elle est déjà juste, s'il n'y a pas... Non, c'est pas ça que je vais faire. S'il n'y a pas autre chose de planqué. Passer dans la zone suivante. Levier tonneau, parce que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et continuer. Est-ce que je vais de côté? Ici. Je sais qu'il est de l'autre côté. Là. Ah donc non, tout est de l'autre côté. Donc ici on a un truc à regarder comme ça. Je
ici, on déglingue tout. Les petits bateaux. Non, ça c'est pas un bateau pour le coup, c'est une espèce de château en sable. Donc ça c'est un bateau. Il y en a 5. Le deuxième. Ça avant, mais c'est pas grave. On va prendre le chien qui est. Il n'y a pas de chien. Si, il est en mode horreur, voilà. Ouais, maintenant, du coup, le chien il peut rien construire. Je crois que le kit là, j'avais déjà pris. Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors, numéro 3. Ici. Par contre, ça, je vais pas m'en occuper des trophées, parce que sinon, on va y passer l'année dessus. Donc là, on a notre troisième bateau. C'est pas ça que je vais faire, non plus. Les planches qui devraient être ici aussi, logiquement. Donc ce qu'il faut qu'on fasse déjà, c'est qu'on fasse passer ce truc là de l'autre côté. Non, c'est pas ça que je voulais faire, ça non plus, voilà. Il faut un avec un sabre, ça sert un minimum à quelque chose. Il va nous falloir Jack. Enfin, s'il accepte de venir.
Je me posais la question, est-ce que... Non, en fait, faut le rafler, du coup, comment on fait pour... Est-ce qu'en prenant une fille, ça marchera mieux? Non, comme ça, ça marche pas mieux. La question c'est comment est-ce que je vais pouvoir grimper là-dessus? Ah, sauf que maintenant j'ai encore fait bugger le truc. Putain, moi il doit avoir moyen de... Non, donc c'est déjà pas par là. Non, tant pis. On reviendra. Ah si, peut-être qu'en vrai, en passant par là. Je me demande une fille. De toute façon, on n'a pas besoin d'en faire plus que ça. Voilà. Oh zut, c'est vraiment qu'il pensait devoir revenir, quoi. Ça m'évite de refaire tout le chemin exprès. Non. Ça fait deux. La question c'est est-ce qu'il y aura un troisième ou pas. Est-ce que l'autre là il peut rester sous l'eau? Voilà! Ah non! Ah non, il y a quand même une zone où il faut éviter d'aller quoi. On peut savoir que l'autre il peut nager sous l'eau. C'est bon à savoir quand même.
mission qu'à faire d'abord. Ça m'étonne quand même cette histoire de drapeau, où est-ce qu'il peut être le dernier ? Alors, faut que je refasse le chemin, hein. Désolé hein, mais j'ai pas le choix. Faut que je trouve où il est ce foutu drapeau. Ah, il est là au-dessus apparemment. Les autres, comment est-ce qu'on va pouvoir y aller ? Ben non, non, c'est un autre. Merde alors. Ça peut pas être ici parce que c'est quand on rentre, on est dans la prison. Bon, bah tant pis, hein. Ah si, il est là-bas. Ouf. Ah mais il m'en manque un du coup. Si, il me manque ouais, les huit objets, je les ai. Maintenant du coup il me manque le... Attends, je vais peut-être l'obtenir en allant par là-bas. Il me semble les avoir tous récupérés donc. Bon bah tant pis hein. Bien évidemment, ils n'ont aucun kill dans le truc. Forcément que je me fais bouffer.
donc en fait il fallait passer par le chemin qui avait été libéré par la grille. Donc juste ici. Par contre de là savoir comment descendre c'est une autre histoire. Ensuite il nous faut un avec un fusil. Peut-être qu'on se... Attends. Ah. Là faut pousser le truc. Ah merde, ça me fait glisser. Attends, on va prendre Jack. Juste ici. On grimpe à l'échelle. Ça, on le fabrique. On passe à l'échelle au-dessus, enfin l'espèce de barre. Maintenant qu'est-ce que je fais? Ah d'accord. Donc avec une fille on peut sauter de l'autre côté. Et obtenir donc le dernier mini-kit, ce qui nous fait le truc au final qu'on a tout fini. Du coup on peut retourner au port, sauvegarder et quitter, oui vaut mieux. Du coup, on va le laisser enregistrer son truc, qu'il nous fasse les 100%. Donc ça, on s'en fout. Tac, 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 et tac. Merci beaucoup. Et donc on a fini pour cet épisode, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suite. Salut !